Les ambassades du pain ont mis en place il y a 2 ans la méthode Respectus Panis, qui a pris en compte la naturalité des matières premières, mais aussi les méthodes ancestrales en respectant la fermentation longue. Ce travail a porté ses fruits, a été plébiscité par la profession. Et fort donc de ce premier succès, nous avons eu l'idée de lancer un autre ouvrage qui s'appelle donc Respectus Panis 2, parce que depuis 15 ans, donc, nous organisons un concours international avec des pays qui nous viennent des 5 continents, qui a lieu tous les 2 ans, qui s'appelle le Mondial du Pain. Et dans ce concours, donc, nous avons un prix qui s'appelle le prix Goût et Nutrition et Transmission du Savoir. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on réfléchissent à comment mettre en lumière à la fois ce travail de recherche qui avait été fait sur la nutrition, mais aussi l'associer à la méthode Respectus Panis. Dans ce livre, on peut se rendre compte de la diversité des recettes. Elles viennent de tous les pays, qui sont riches eux-mêmes de leur propre culture. Ces recettes, donc, nous les avons, je dirais pas adaptées, c'est peut-être pas le vrai terme, mais on les a optimisées en matière nutritionnelle. Voilà, ça c'est l'évolution Respectus Panis 2, c'est un pain aux céréales et aux herbes de qualité. Quand le pain est de qualité, il est au centre de la ration alimentaire. Par ce biais-là, il nous permet, par l'équilibre qu'il apporte, il nous permet de préserver notre capital santé à moyen et long terme. Nous avons donc 4 grands chapitres dans ce livre, des pains qui répondent à des problématiques de cholestérol, de diabète, d'hypertension et des pains qui répondent enfin donc à des problématiques de manque d'acides gras essentiels, oméga 3, oméga 6 par exemple, mais aussi des 9 acides aminés essentiels. C'est un livre assez complet qui couvre vraiment un plan assez large des problèmes de santé publique que nous pouvons rencontrer par exemple en France. Donc c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait jusqu'à présent et en fait on va révéler à travers cet ouvrage tous les avantages d'un pain de qualité et bien sûr tout ça à travers sa naturalité. Je dirais que pour atteindre des objectifs nutritionnels, plusieurs voies sont possibles. Le travail que nous avons fait avec les ambassadeurs du pain, c'est que toutes ces graines et céréales en fait on va les éclater, on va les réduire. Comme ces graines vont être éclatées, eh bien, l'organisme va les digérer, en fait, va pouvoir récupérer tous les nutriments. C'est ça qui est formidable. Donc, ce qu'on appelle la biodisponibilité des minéraux, en fait, part d'un principe très simple. Dans toutes les graines et céréales, il y a un acide naturel qu'on appelle l'acide phytique. Sauf que cet acide phytique, il a un inconvénient. Il a un rôle, il empêche finalement l'organisme d'absorber les minéraux. Et le boulanger, donc, il a 2 moyens d'éliminer cet excédent d'acide phytique. Ces graines, on les a fait tremper dans de l'eau et du levain. La présence de levain, l'acidité surtout, élimine l'acide phytique. Et tout ceci associé à une longue fermentation. Donc, puisqu'en Respectus Panis, on est sur des fermentations de 15 à 20 heures, c'est parfait. Mais on peut aussi se servir de la nature. Nous savons par exemple que si nous faisons germer des graines, l'acide phytique va être utilisé pour cette germination et donc va s'éliminer. Tout le monde sait que les germes de blé ou autres ont des vertus nutritionnelles très intéressantes. Donc aujourd'hui, on peut à la fois associer un pain avec des graines classiques, y rajouter aussi ou compléter en graines germées. Donc vous voyez qu'on a plein de leviers comme ça pour faire quelque chose de très équilibré, de très sain. Déjà, ça a été hyper complexe, mais on se rend compte que chacune de ces graines, elles ont un intérêt. Ce que j'en retiens, c'est que le collectif, bah, il fait grandir quand même beaucoup plus vite. Et que finalement, bah, on a travaillé ça en équipe, puis on se rend compte que bah, chaque graine a son intérêt nutritionnel. Nous avons découvert des trésors de bienfaits de pays comme des pays d'Amérique du Sud ou d'Extrême-Orient. Voilà, on a peut-être touché 150 ingrédients, quoi, avec 25 recettes, quoi. Donc on se rend compte que finalement, notre source d'inspiration, elle est quand même intarissable, quoi. Le pain, quelque part, est chargé de symboles et le pain est fait pour réunir des hommes. Et comme ce livre est aussi le résultat du travail de toutes ces équipes qui sont venues dans le monde entier, au fond, nous avons essayé d'avoir au moins 50% d'ingrédients français, locaux, et puis maximum 50% de graines qui viennent de l'étranger, mais qu'on ne peut pas trouver, qui ont des qualités qu'on ne peut pas trouver en France aussi.
Ce qui fait ça, c'est la terre, c'est le terroir, c'est la qualité des nutriments que le sol a. Je pense qu'effectivement, dans ce livre, on peut voir des pains qui sont à la fois complexes au niveau composition. Il y en a d'autres qui ont des formes peut-être particulières, comme ils sont issus de concours, qui sont peut-être techniquement plus difficiles à réaliser. Il y a à la fois le visuel et le gustatif. Après, à chaque professionnel d'adapter sa recette en gardant la composition du pain. Lorsque l'on fait par exemple les 4 recettes sur le cholestérol, on donne une explication comment on arrive à cet objectif. Et ça permet aux consommateurs de comprendre. Tout ce travail se développe, rencontre vraiment avec un grand succès l'intérêt du consommateur. Et ils sont demandeurs de cela parce que à 10, 20, 30 ans, ça a réellement un impact sur la santé, sur l'équilibre de la santé, sur un certain nombre de facteurs qui par ailleurs pourraient être pénalisants. Le Respectus Panis 2 est un livre qui est vraiment le fruit d'une collaboration de l'ensemble des ambassadeurs et de l'ensemble des pays. Je pense que c'est vraiment l'ADN de notre association, transmettre le savoir du pain, cette passion du pain, mais aussi ses valeurs nutritionnelles, tout en gardant le côté gustatif du produit et en prenant la diversité de nos produits à travers le monde. Chaque pays a ses recettes, chaque pays a ses savoir-faire. Et voilà, c'est un livre de partage. Nous avons les ambassadeurs, c'est toujours été du partage. Donc nous partageons ceci avec nos amis et collègues boulangers du monde entier.